Bonjour les amis de GospelCross.net. C'est une joie immense de vous retrouver aujourd'hui pour un témoignage spécial, comme vous avez vu l'annonce. Je reçois quelqu'un qui m'est très très cher, très particulier, un très bon frère que j'aime beaucoup et vous le connaissez. Il s'agit de Christian Kalambay, et qui va nous témoigner aujourd'hui du miracle que Dieu a fait dans sa vie, parce que c'est un jeune papa que je reçois. Bonjour frère Christian Kalambay. Bonjour frère Théo, comment vous allez? Non, ça va, c'était à moi de vous demander comment vous alliez, vous êtes en forme? Je me sens très bien, je me sens un peu fatigué, mais bon, par la grâce de Dieu, un peu fatigué. On tient le coup avec le nouveau rôle que nous avons, donc ça épuise, mais on se sent très bien. Dites-moi, comment vous passez les nuits blanches? Ça a déjà commencé? Je n'ai pas de nuits blanches parce que, Dieu merci, la fille se comporte comme il faut. Elle n'est pas très, elle n'est pas une dérangeuse du tout. Donc, on a un système où sa maman s'occupe d'elle pendant la première partie de la nuit. Et 5h, 6h, moi, je prends la relève. Ce qui fait qu'on a le temps de se reposer. Donc, on n'a pas encore senti la fatigue extrême. En tout cas, c'est d'elle que nous allons parler. La fille s'appelle Amba Feuf Rebecca. Donc, c'est comme ça qu'elle s'appelle, du nom de votre défunte sœur. C'était quoi le choix de ce nom? Le premier nom, justement, mon épouse a toujours, on a toujours discuté des noms pendant qu'on attendait. Et c'est un nom qu'elle aimait parce que ça trait à Amba, un trait à la couleur de la colonne de feu. Il y a une citation du prophète qu'elle aimait beaucoup qui parlait de la colonne de feu. Et on a toujours aimé ce nom. On était d'accord dès qu'elle avait proposé ce nom-là. Faith, parce qu'on s'est dit qu'il fallait beaucoup de foi pour avoir attendu ce moment. Et aussi, quand on s'est marié à l'endroit, où on s'est marié s'appelait Saint Faith Center. Et on s'est rendu compte finalement que c'était... qu'on était un peu comme entre les mains de Dieu, comme ces vases de foi, ce centre de la foi, parce qu'il fallait vraiment beaucoup de foi pour avoir attendu tout ce temps-ci. Bon, c'est des foi, faith, Amber faith. Et puis Rebecca, pour honorer ma sœur de fête, partie il y a 3 ans. 2018, ça fait quoi? 4 ans déjà? Oui, ça fait 4 ans. Oui, ça fait 4 ans. Pour l'honorer, c'est comme ça qu'on a eu Amber, Faith, Rebecca, Kalambay. En tout cas, vous parlez du temps d'attente. Vous avez attendu 17 ans. Vous êtes marié il y a 17 ans et vous avez pu attendre 17 ans pour enfin porter un bébé. Dites-nous un peu comment vous avez appris que vous alliez devenir papa. C'est vrai que plusieurs fois dans le passé, on a eu des tests qui étaient malheureusement négatifs. Et cette fois-ci, bon matin, parce que ma femme ne se sentait pas très bien déjà. Bon, chaque fois, on avait cette fois que peut-être que c'est la bonne nouvelle cette fois-ci. Alors, j'étais couché et elle est venue pour me dire que le test de grossesse qu'elle avait pris était positif. Je pensais que j'allais... crier de joie parce que je suis quelqu'un de très émotionnel. Mais j'ai dit « I know it ». J'ai répondu comme ça. Donc je le savais. Je le savais en français. Bien évidemment des larmes et puis on s'est embrassé. Elle pleurait, je pleurais aussi. Mais ça avait beaucoup de joie et c'était... on était presque incrédule quoi. Presque incrédule, tu vois quelque chose que tu te dis, c'est pas une erreur, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Mais bon, c'est comme ça que j'ai appris. Mais je n'ai pas crié comme je m'étais imaginé que je le ferais le jour. Je crois qu'elle était plus émotive que moi. Revenons un peu en arrière, peut-être 17 ans plus tôt ou encore 17 avant, c'est 17 ans, donc encore plus loin que 17 ans. Est-ce qu'il y avait comme ça dans la vie familiale des indices qui pouvaient vous faire penser que vous auriez à faire face à une épreuve comme celle-là dans votre vie conjugale? Non, pas du tout. À part peut-être qu'une conversation qu'on avait peut-être eue avant qu'on se marie, qui aurait peut-être mis, créé des questions. Mais ce que j'ai dit dans d'autres interviews, enfin une interview que j'ai donnée avec un autre frère, le Seigneur m'avait donné une écriture qui m'avait juste stabilisé à l'époque. Donc, c'est que je me disais,
que je ne m'attendais pas, au pire, je ne m'attendais pas à 17 ans. Parce que je dis aux gens que si on m'avait dit à l'époque que vous allez attendre 17 ans avant d'avoir votre enfant, je crois que ça allait créer beaucoup, beaucoup de questions et beaucoup de problèmes, je m'imagine. Si je te dis que Théo, ton premier fils, tu l'auras dans 17 ans. Ça sera difficile, Ça va être hein, difficile quelque part. de gérer ça, mais Dieu sait comment il fait les choses. Il sait comment il fait les choses. Et puis je me rends compte que cette écriture qu'il m'a donnée avant le mariage, c'est ça qui m'a stabilisé par rapport à cette épreuve. Alors, frère Christian, comme tu le disais tout à l'heure, 17 ans, c'est beaucoup. 17 ans, c'est beaucoup. Je ne voudrais pas dire trop parce qu'il n'y a pas trop devant Dieu, mais c'est beaucoup pour nous les humains. Est-ce qu'il y a eu un moment de doute où vous vous êtes dit peut-être que vous n'aurez jamais, tu n'auras jamais d'enfant? Humainement, il y a des moments où c'est arrivé. Pas penser que je n'aurai jamais d'enfant, mais de penser que tu te dis, mais ça va arriver, mais quand? Tu vois un peu. Mais de ta... En tout cas, je peux me tromper, mais honnêtement, de penser qu'il y a un jour où je me disais, peut-être que ça ne va jamais arriver, je ne crois pas que c'est arrivé. C'est des moments où vous sentez vulnérable, où vous dites, mais pourquoi ça traîne? Okay? Mais de penser et de conclure que je ne crois pas que ça va arriver, je ne crois pas que je suis arrivé à ce niveau-là par la grâce de Dieu. Je peux le dire. Je me disais, mais quand? Mais quelque chose me disait que ça allait venir. Mais quand l'attente devenait longue et que le doute commençait à monter en vous, comment vous faisiez, comment tu faisais pour les évacuer? Avec ma guitare, un chant, des fois la prière. Mais je ne me souviens pas, ça peut paraître un peu prétentieux, je ne me souviens pas avoir, à part une seule fois quand j'ai eu 40 ans, comme je te disais, je me disais, bon, je vais avoir 40 ans et j'ai voyé mes amis, ma génération avec des enfants âgés. Je me dis, ça m'a, le jour où j'ai eu 40 ans, je me souviens, j'étais en Suède, on est parti pour fêter avec mes bien-aimés de la Suède. Et l'épouse m'a encouragé ce jour-là. Elle a vu comment j'étais triste, j'ai pleuré, parce que je me disais, mais je grandis et je ne vois pas, je ne vois pas une progéniture. Okay? Ça, c'est une seule fois. Sinon, à part ça, de dire que le doute est monté en moi, en tout cas, moi, je suis quelqu'un qui advocate, comment on dit ça, qui encourage les gens à garder la foi. Tout le temps, peu importe les hauts et les bas, peu importe la difficulté, peu importe les ténèbres, comme je le dis dans mon chant, contre toute attente, je suis de nature quelqu'un qui encourage, je ne suis pas quelqu'un de négatif, je n'aime pas quand le discours qu'on m'apporte est négatif. Petit exemple, mon épouse à un moment donné pensait adopter, et j'ai été contre, parce que je me disais... que je préfère adopter après que j'ai eu mon enfant parce que je n'ai pas envie d'avoir une différence d'amour hein, au moment où tu as ton enfant et un enfant adopté. J'étais tellement convaincu que j'allais avoir mon enfant que je ne voulais pas, même si plusieurs personnes me disaient que le prophète encourage ça aussi, ce qui n'est pas mal du tout. C'est bien de donner la chance à un enfant sans parents d'avoir des parents aussi. Parce que ce n'est pas que, s'il n'y a pas que des parents qui cherchent des enfants, il y a des enfants qui cherchent des parents aussi. Donc les adopter, leur donner cette chance d'avoir des parents, c'est quelque chose d'honorable. Le prophète en a parlé aussi. Mais je n'étais pas prêt parce que je me disais que je savais que j'allais avoir les miens tôt ou tard et que ce n'était pas. Je trouvais que c'était comme une solution de rechange alors que la solution, la vraie, allait arriver. D'accord. Vous avez parlé de la chanson qui vous aidait à surmonter le doute et les épreuves. Est-ce que dans les différents albums que vous avez sortis, je vous vois alors qu'on se tutoie dans la vraie vie, donc les gens vont comprendre que des fois j'utilise le vous et quelquefois le tu parce qu'on est très proches. Pas de problème. Est-ce que il y a des chansons que tu as écrites inspirées par la situation que tu vivais? Parce que je peux sentir dans certaines chansons comme ces chemins sont une montagne. Je sens qu'il y a
quelqu'un, une âme qui pleure dans cette chanson. Against the Road aussi, contre toute attente, on peut sentir ça. On sent toujours qu'il y a un peu quelque part comme David dans la situation difficile. On sent qu'il y a quelqu'un qui est dans une situation pénible et qui voudrait dire des choses à travers la chanson. Oui, c'est vrai qu'il y a plusieurs chants qui ont peut-être été inspirés pendant mes moments de prière, quand vous essayez de vous consacrer, de prendre votre temps. Des chants sont venus comme ça. Il y a un chant particulier que j'ai écrit qui s'appelle Sarah. Le titre c'est Sarah. This is your visitation day. Mon épouse s'appelle Sarah Abigail. Son premier nom c'est Sarah. Abigail c'est son second nom. Son deuxième prénom. Deuxième prénom, mais qui a été. Mais on l'appelle Abigail par habitude, mais dans son passeport c'est Sarah. J'avais écrit Sarah, This is your visitation day. C'est un chant qui raconte l'histoire un peu de Sarah, comment Dieu a visité Abraham et comment Dieu. Quand il est venu voir Abraham, il disait, oui, Sarah, ta femme, que tu auras ton fils. Je reviendrai et Sarah, ta femme, aura ton fils. C'est un chant, par exemple, qui voulait encourager mon épouse. Elle a pris ce chant pour elle. Elle sait que quand je chante ce chant, elle se retrouve dans le chant. Il y a des chants comme ça. Ce chemin est une montagne, c'est vrai. Parce que, de toute façon, l'épreuve, dans la vie chrétienne, il n'y a pas qu'une seule épreuve. On a plusieurs autres épreuves aussi. Je ne crois pas que mes chants étaient basés sur cette seule épreuve, parce que faut avouer que c'est une année, puis 2 ans, puis 3 ans, puis 4 ans, puis 5 ans. À 2 ans, tu te dis, l'année prochaine, j'aurai mon enfant. Tu vois un peu. À la 3e année, tu te dis, à la 4e année, j'aurai mon enfant. À la 4e année, tu auras la 5e. Donc, ça ne part pas jusqu'à 17 ans. Tu ne calcules pas que ça va arriver en 2022, quand tu es en 2012. Vous voyez un peu? Donc, les chants sont venus comme elles sont venues, mais bon, moi je comprends. Il y a plusieurs chants de victoire aussi. Tu remarques, même Against the Odds, contre toute attente, c'est des chants de victoire. Parce que plusieurs personnes me disent, ah Christian, maintenant que tu as un enfant, vraiment, on va entendre une inspiration. Là, je me dis, pour moi, ces chants qui ont précédé cette victoire, c'était des chants précurseurs. Comme mon répertoire. Victorious. Exactement. Qui sont des chansons où. Oui, qui disaient que ça allait arriver. Pourquoi attendre que la chose arrive avant de la déclarer? Le prophète dit déclarer d'abord, et puis la chose arrive. Alors, quel chant voulait que je chante? Contre toute attente, par exemple, elle démontre exactement ce qui est arrivé. C'est Sarah, ou même mon fils me plaît toujours parce qu'il marche par la foi. Ou alors, I say amen, je dis amen. Ou alors. Quel autre chant que tu as cité là? Mon répertoire. Je vais le chanter peut-être dimanche prochain ou dès que j'ai l'opportunité. C'est vrai que le chant aura un autre sens maintenant, mais moi je crois que les chants étaient précurseurs. Ça prouvait qu'on avait de la foi, on gardait la foi. Ouais. Et quand nous préparions cette émission, tu m'as dit quelque chose qui m'a un peu peiné. Comme Abraham, tu as pu subir des moqueries. Bon. Je ne considère pas les moqueries de tout le monde, mais les moqueries des frères et sœurs, de cette parole qui était censée t'encourager. Est-ce que tu peux le confirmer? Oui, effectivement, on a appris beaucoup que les gens ont raconté. Mais je disais à quelqu'un, pour qu'il y ait une histoire de Anna, il fallait qu'il y ait une Penina. Penina? Donc, c'est normal qu'il y ait des gens qui médisent, comme d'habitude, parce que la nature humaine, elle est comme ça. Tu as vu avec le Seigneur Jésus, il marchait. On lui pose la question, est-ce que la maladie de cet homme, c'est à cause du péché de ses parents? Parce que les gens concluent toujours qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui est le résultat de l'épreuve. Et le Seigneur dit, non, c'est pour la gloire de Dieu. Et la vérité, c'est que cette victoire, c'est effectivement pour la gloire de Dieu. Le monde entier en a parlé. Et la phrase la plus répéter, c'est gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Des inconnus, des gens qu'on ne connaît pas. Tout le monde dit à Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire. Parce que c'est pour ça qu'il a donné l'épreuve, pour sa gloire. Peu importe ce que les gens disaient, moi je me disais, ça me faisait rire. Et puis il y a quelqu'un qui m'a dit, on a appris que le frère Christian a renvoyé sa femme parce qu'elle n'accouche pas. Hein? Et il m'a appelé depuis Kinshasa pour me poser la question si c'était vrai. Que j'ai renvoyé ma femme. Je lui ai dit, on a rigolé, et puis on n'a pas tenu compte de ça. C'est vrai que les gens, c'est tout à fait normal qu'il y ait des gens qui parlent négativement de vous. Si tout le monde doit dire du bien de vous,
y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'on a dit du mal de Jésus, on l'a même crucifié, et il était sans péché. On a dit du mal du prophète, on dira du mal de toi, de moi. Et pour moi, je me dis, concentrez-vous à être positif et ne pas faire attention à ça. Parce que maintenant, ceux qui ont parlé, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ceux qui ont dit que c'est parce qu'ils ont épousé des femmes étrangères. Hein? Les femmes étrangères, c'est pour ça qu'ils n'ont pas d'enfants. Les gens raconteront toujours, mais Dieu, il est fidèle. Ça, c'est une expérience que je vois tous les jours quand je regarde la petite. Je pleure. Tu te dis, mais tu n'aurais pas pu... C'est réel, c'est vrai, tu as ton enfant et tu te dis, c'est pas possible. C'est Dieu qui... C'est la fidélité de Dieu et ça tait. Ça tait les critiques. Mais ce n'est pas un problème. Il faut que les critiques soient là pour que les pions ou les dés soient chacun à sa place. Alors, frère Christian, ma dernière question... Quand tu regardes le parcours de ces 17 ans, un peu de mots, qu'est-ce que tu t'es dit? Cette attente de 17 ans pour enfin porter ton enfant dans tes bras comme ça? Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Maintenant que nous sommes où nous sommes, c'est alors qu'on se rend compte. Parce que si je te dis que je n'ai peut-être jamais jeûné ou pleuré, j'ai vu ma femme pleurer. Comme je ne l'ai pas vu pleurer quand elle a tenu son enfant dans les bras. Elle a éclaté en sanglots, elle a pleuré. Mais je ne l'ai pas vu pleurer comme je l'ai vu prier intensement. On a prié pour ça, c'était un désir d'avoir des enfants. Mais de la voir pleurer, désespérée, sans foi, ça n'a pas été le cas. Mais ça n'a pas été facile non plus. Ça n'a pas été facile parce que vous allez partir, apprendre que tel a un enfant. Vous allez assister pour elle, par exemple, aux baby showers de plusieurs sœurs à l'église, des dédicaces, les autres, vous êtes là, vous voyez ça. Vous voyez un peu? Vous avez assisté à l'anniversaire de tel enfant. Et à un moment donné, vous dites, mais à quand? Vous voyez un peu? Ça n'a pas été facile, mais c'est une victoire qui est bien savourée. Parce que... Plus le temps ça a fait, comme notre frère Richard le disait une fois que... qu'est-ce que je voulais dire? Que plus longtemps l'épreuve, plus vous la savourez. Le Dieu sait à qui il donne l'épreuve, quel genre d'épreuve aussi. Il y en a qui supportent 10 ans, il y en a qui supportent 4 ans, il y en a qui supportent 8 ans. Il y en a mon frère, il a fait 9 ans, mon grand frère. Ma soeur jumelle, malheureusement, attend encore. On croit pour elle. Il y en a qui supportent 18 ans. 18 ans dans 5 mois, hein, dans 18 ans de mariage. Et Dieu sait pourquoi il a permis que ça se passe comme ça. Mais quand je vois les commentaires des gens, les gens sont encouragés. Il y a quelqu'un qui m'a dit, Christian, j'avais d'autres problèmes qui n'ont rien à voir avec la maternité. Mais juste avoir cette patience-là, tu ne peux pas savoir à quel niveau je suis encouragé. Je voudrais encourager les frères et sœurs avec ce témoignage de garder la foi, de rester positif, de confesser à l'avance. Pas attendre que ça arrive, de confesser à l'avance chaque jour. Confesser que ça va arriver. Et le Seigneur, il est fidèle. Et il le fera en temps, au temps marqué. En tout cas, merci beaucoup, frère Christian Kalambay. Est-ce que vous avez un dernier mot pour aujourd'hui? On vous remercie, te remercie. Ça fait plaisir de te revoir. Et l'équipe du frère Richard Gospel Cross et tout le monde qui voulait absolument qu'on se voit pour qu'on fasse ce témoignage. Et moi, j'espère que quelqu'un va être encouragé et quelqu'un va dire que le Dieu de Branham, le Dieu d'Abraham, il est un Dieu réel, pas juste un Dieu du passé, mais un Dieu qui peut vous donner aussi un répertoire de témoignages. Amen. Alors, merci les amis de nous avoir suivis. Si vous avez aussi un témoignage que vous voulez faire passer sur gospelcross.net, vous n'avez qu'à nous écrire à info@gospelcross.net ou nous appeler au numéro de téléphone qui est affiché à l'écran et nous allons mettre des moyens afin que votre témoignage passe chez nous. Si vous n'êtes pas encore abonné sur une de nos pages, veuillez vous abonner pour recevoir les notifications des vidéos que nous postons toutes les semaines pour vous bénir. Que le Seigneur vous bénisse. Pour vous et moi, on se rencontre dans une autre émission sur gospelcross.net. Au revoir.